Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième exercice de méditation que je vous propose dans le cadre des ateliers d'apprentissage de la pleine conscience. Je vais vous inviter à vous installer en posture assise. Ce peut être en tailleur, sur une chaise. Et surtout, à choisir une posture que vous pourrez tenir pendant toute la pratique que je vais vous proposer. N'hésitez pas à prendre votre temps pour vous installer en recherchant à avoir une posture droite, mais pas rigide. Veillez à ce que vos épaules soient détendues, vos membres également. Et tout doucement, installez-vous dans cette posture que vous allez garder pendant les 10 minutes de l'exercice. Une fois bien installé, je vous invite à simplement fermer les yeux. Fermez les yeux pour vous tourner petit à petit vers votre monde intérieur. Prenez quelques instants pour rentrer dans cette pratique méditative. Vérifiez encore une fois qu'il n'y a pas de tension inutile dans votre corps ou de crispation au niveau de votre visage. Et doucement, je vais vous inviter à porter votre attention sur votre souffle. Amenez votre esprit à considérer le va-et-vient de votre respiration. Ressentez la fraîcheur de l'air dans vos narines à l'inspire. Et la tiédeur de ce même air à l'expire. Alternativement, ressentez le chaud et le froid à chaque cycle respiratoire, peut-être dans vos narines, mais peut-être également dans votre trachée au niveau de vos bronches. Peut-être ressentez-vous même le déploiement de votre cage thoracique à chaque inspire. Et apprenez simplement à observer cette respiration sans chercher à la modifier. Observez son rythme. Est-ce qu'elle est rapide, lente, superficielle ou plus profonde? Notez comment vous êtes en contact aujourd'hui, ici et maintenant, avec votre souffle. Est-ce qu'il est facile de le percevoir ou au contraire? Notez-vous que votre esprit s'échappe vers des pensées différentes du sujet de notre pratique. Si c'est le cas, ramenez doucement votre esprit sur la perception de votre souffle. Notez sans vous juger ou vous blâmer que vous êtes sorti de l'exercice. Et ramenez doucement votre concentration sur l'observation de ce souffle.
En méditation de pleine conscience, le souffle est comme une encre à laquelle vous pouvez vous accrocher pour pratiquer, entraîner votre esprit. Car votre souffle est toujours disponible pour vous. À toute heure du jour et de la nuit. Et à chaque jour que vous traversez. Et progressivement, je vais vous proposer d'étendre votre champ de conscience à l'ensemble de vos perceptions corporelles. Amenez votre esprit à percevoir la posture de votre corps assis, en tailleur ou sur votre chaise. Ressentez par exemple les points d'appui de votre corps sur votre support. Peut-être ressentez-vous de la lourdeur dans vos membres, ou au contraire de la légèreté. Observez la position de vos jambes et de vos bras et de votre buste tout entier. Peut-être est-il penché à l'avant ou a-t-il tendance à s'affaisser pendant la pratique? Amenez-le alors à se redresser doucement. Et peut-être que dans cette exploration de vos ressentis corporels, percevez-vous des douleurs ou des tensions. Je vous propose d'amener alors votre souffle dans ces zones douloureuses ou tendues. Bien sûr, techniquement, votre respiration n'atteint pas ces endroits, mais imaginez que votre souffle vient apaiser ces zones douloureuses ou tendues. Et que vous respirez à ces endroits. Vous pouvez peut-être alors observer une évolution de la douleur ou un relâchement musculaire. Ou peut-être faire l'observation qu'il n'y a pas de changement et c'est ainsi aujourd'hui. Simplement accueillez le fruit de votre observation, sans chercher à analyser la provenance de ces douleurs, sans chercher non plus à les soulager. Entraînez votre esprit tout doucement à l'accueil et à l'acceptation de ces ressentis corporels.
Je vous propose de continuer quelques instants en silence cette pratique d'observation de votre corps. Et tout doucement, quand ce sera le moment pour vous, je vais vous inviter à reprendre conscience de l'ensemble des éléments qui constituent votre moment présent, que ce soit au niveau des sons, de la luminosité. Ramenez peut-être un peu de mouvement dans votre corps en bougeant vos pieds ou vos mains. Prendre de grandes inspirations pour redynamiser votre état de conscience. Et simplement, quand c'est le moment pour vous, rouvrir les yeux pour reprendre simplement le cours de votre journée. Cette méditation étant assez courte, je vous invite à la pratiquer de manière régulière afin d'entraîner votre esprit à se détacher des pensées qu'il peut générer, apprendre à les observer pour mieux les laisser passer et revenir à l'instant présent grâce à l'observation de votre souffle et de votre corps. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.